Vous recherchez un baudrier d'escalade, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs baudriers d'escalade qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour choisir un baudrier d'escalade, le confort, le nombre de portes matérielles, la résistance, les ajustements et bien sûr le prix. Aujourd'hui, on va voir les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr, vous pourrez commander un des modèles présentés en passant par les liens que je vous mettrai juste en dessous dans la description. On va commencer avec le premier qui est le Saab Baudrier d'escalade. C'est un modèle qui est très bien noté avec 4,6 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 140 évaluations. Après, il n'est pas donné en termes de prix, c'est vrai qu'il sera un petit peu plus cher que les autres. Au niveau de la sécurité, il est certifié par la Commission européenne, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il sera bien sûr confortable, vous permettra de transporter vos effets personnels avec vous. On aura une structure du faisceau qui disperse la pression pour vous permettre de rester à l'aise lors de l'escalade. La ceinture et les jambes sont doublées de mailles respirantes pour assurer du confort même par température chaude. Il sera évidemment robuste et durable. On aura 5 anneaux. L'avant de l'abdomen est utilisé pour l'abaissement ou la protection. La poitrine peut être connectée avec des amortisseurs et des cordes comme protection auxiliaire. Et l'anneau arrière sera utilisé pour adapter le travail de protection de la station de base par l'arrière. Et les anneaux des deux côtés de la taille pourront être protégés horizontalement. On aura bien sûr plusieurs tailles. Donc là, ça pourra s'ajuster entre 85 et 125 cm donc au niveau de la ceinture, donc au niveau de la taille. Donc tant que vous êtes dans cette fourchette, vous pourrez du coup être à l'aise. Sinon, ça risque de ne pas être optimal pour vous. Donc c'est un harnais de sécurité qui peut être un choix idéal pour évidemment l'escalade, mais également tout ce qui sera échafaudage, construction, escalade dans les arbres, protection chute, protection pour la chute, etc. C'est un modèle vraiment intéressant, vous pourrez retrouver plus de détails dessus en passant par le premier lien dans la description de cette vidéo. Un deuxième modèle que je vous présente qui est extrêmement bien noté également, c'est le Edelrid. 4,8 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 150 évaluations, donc c'est assez rare de voir des aussi bonnes évaluations. Il sera fabriqué à partir de matériaux certifiés BlueSign. On aura un ajustement adapté, vous aurez plusieurs tailles. On aura XS, S, M et L. Ce modèle est plutôt fait pour l'anatomie féminine, mais bien sûr il y a la même marque qui va proposer des modèles plutôt pour hommes, hein. Vous pourrez vous renseigner sur les produits de cette marque, en tout cas ils sont tous globalement très bien notés. On aura la barre de la jambe allongée qui permet un maintien optimal au-dessus de l'os de la hanche avec une protection textile contre l'abrasion en mélange de polyester pour une durée de vie accrue du point de reliure et une sangle de jambe réglable pour un ajustement optimal et une bonne flexibilité. Donc c'est clairement aussi un modèle super intéressant, le mieux noté de cette sélection. Et on va terminer avec un dernier qui est le Black Diamond, donc baudrier pour escalade. Celui-ci sera également bien noté à 4,7 étoiles sur 5, en moyenne sur plus de 900 évolutions. Donc c'est le plus populaire de cette sélection, il a un prix qui reste assez correct. Donc ce sera très bien pour escalade. Pour la Via Ferrata, l'escalade alpine ou sportive, il y aura plusieurs tailles S, M, L, XL et aussi XS et XXS qui sont à l'heure actuelle, je crois, plus disponibles. Mais du coup, vous pourrez choisir celle qui vous conviendra le mieux. Donc si vous avez un budget qui n'est pas trop élevé, que vous voulez un produit bien noté, vous pourrez regarder vous-même les évolutions clients, mais c'est quand même très positif. Donc pourquoi pas non plus aller vers ce troisième produit. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs baudriers d'escalade qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de cette vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou aller voir plus de détails,
tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos, cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.